Hop là. Marble on stream Bibi. La scène de base, c'était la celle-là qui était pas mal, je crois. Donc il faudrait que je la duplique. Voilà. Les bibis, je vais faire quoi? Je vais faire X. J'ai pas d'autre idée. 16 neuvième. Ouais. Marble on stream. C'est-à-dire les bibis. Voilà. Que je te le répète peu. Alors, je vous relirai après dans le chat. J'aurai tout le loisir de le faire juste après, mais. Attendez voir. Ah oui, mais quand je vais lancer le truc, je vais perdre le focus, je crois. Donc, en fait, dans la scène là, il faudrait que je décale. J'ai envie de dire, il faudrait peut-être que je décale tout. Ça y est, il m'a chippé la souris, je peux plus rien faire. Le jeu se charge, hein, vous en faites pas. Mais. Quoi? Les cartes au hasard favorites ont été réinitialisées à cause du truc muche de saison. Oh, bah heureusement que je les note dans mon Discord, les records du monde. Va falloir les chercher manuellement. Oh, c'est scandaleux. Alors, déjà, je vais être gentil dans le sens que je vais quand même vous laisser le temps de voter et de choisir vos courses. On va se faire un grand prix. Voilà. S'il y a des cartes qui vous intéressent, allez-y. Allez, ouais, 10 courses. Allez, hop. Juste les classiques. On va pas se faire la communauté. La communauté, on se la fera peut-être ce soir si je peux diffuser cet après-midi. Je sais pas, on verra. Avant d'aller chez FunFan. FunFan, n'oubliez pas que ce soir, il fait sa spéciale vocale ouverte de fête en jouant à SimCity 3000. Donc, on va être dans une ambiance bar, comptoir, entre copains à papoter. N'hésitez pas à venir nombreux, ça va être très sympa chez FunFan ce soir. Alors. Je vais pas tarder à vous lire hein, dans le chat. C'est juste que j'improvise mon montage de scène. Je vais être vilain, tiens. Je vais vous mettre ma tronche. Je vais vous mettre ma tronche presque au milieu. Ouais, non. Ouais, comme ça, c'est rigolo. J'ai quoi d'autre? Ah oui, j'ai le logo de la. J'ai le logo de la chaîne à faire valser. Voilà, que je vais mettre là. À l'angle, on s'en moque un peu. Oui, je reconnais que ça fait gadget, mais bon. Après. Oui, je sais pas si je fais un beau travail ou si je fais un truc de cochon. Il me reste quoi? Il me reste le Winamp qui est pas super propre. Winamp que je pourrais mettre là, du coup. Ouais, comme ça. Je peaufinerai. Alors, je vois que vous êtes nullement inspiré. Emed. Ah, le dojo, vous savez que j'aime bien la carte là. L'ennemi sont les portes. Elle est où la magnifique de la. De la. De la voie. Pas la voie lactée, le système solaire. Cove Power. Je sais plus. Ouais, The Lucky Few, je crois que c'est pas mal.
Frozen, j'aime bien aussi. Putain, je les retrouve plus. Je les retrouve plus. C'est pas Cosmic Chaos. On l'a pris Cosmic Chaos, mais c'est pas celle-là. Ah merde, c'était quoi? Je suis en train de relire les trucs mûches. Les titres des cartes et je retrouve plus. Bah, ils l'ont pas retiré. Je crois pas que ce soit The Space Chase. Ça me parle pas. The Space Station non plus. Oh bah mince! Ma mémoire qui devient bien défaillante là, et oh. Ils l'ont pas retiré, c'est pas possible. Elle est magnifique cette carte. Hard Landing. Ah! Marble Sanctuary! Ah! Quand même! Allez, go! C'est l'âge. Oui! Vogueux! Ça parle mal. Oui, placez vos bibis, allez-y. Voilà, je mets un compte à rebours. Oui, donc je vois qu'il y a Nesheman et Christella, vous m'avez rejoint, merci à vous. Ah, alors, là, je relis le chat, je vous avais pas lu. Non, non. Ouais, années 90, Canal Plus, oui, c'est ça, Christella, ouais. Oui, c'était nulle part ailleurs, l'émission, ouais. Mon ami Bernard Zécry, avec qui je fais un livre, il était le producteur de l'émission. Ah bah comme ça, tranquille. Oh, je me souviens d'un sketch. Alors celui-là, il avait été pas retenu dans la compile DVD qu'ils ont fait dans le commerce. Mais je me souviens d'un sketch où Antoine Decaune était fou de joie à l'idée de changer de décor parce qu'il n'aimait pas le décor, paraît-il. Pourquoi je vous vois pas? On va suivre Nacheman. Oui, voilà. Elogir a le record local. Ça va dans le sens là, ok. Je me souviens que Antoine Decaune n'aimait pas le décor d'une saison. Et il avait fini la dernière émission, il avait pris une masse, il avait défoncé, déboîté le décor en direct. Sous les rires nerveux de Philippe Gildas. Oh là là, il s'est défoulé le jour-là. Il avait fait complètement exploser le décor. Je me souviens, ça m'avait marqué. J'ai dit, mais il est fou cet homme. Oh, Pierre qui boude les jeux de billes. Oh, tu fais comme tu veux, hein. Moi, je le propose, parce que moi, ça me permet de me détendre. J'adore voir les bibis, et puis je papote avec vous. Canal, c'était le zoo. Ouais. Oui, il y a le sketch. Alors là, moi, j'aime pas tout ce qui est scato. Le sketch des nuls là quand ils sont fait une projection de déjection sur le plateau là franchement ça alors ça je cautionne pas j'aime pas quand c'est pipi caca enfin bon il faut de tout je sais que ça en fait rire certains donc ah, soupir. Ibi, merci à vous d'être là. Bon, ben on est juste de quoi compléter un podium. On se détend, va, c'est l'essentiel. D'ailleurs, je pense que FunFan est accaparé à son. Ah, bah ben non, il avait dit qu'il regardait son caméra café. J'allais dire, il déjeune. Peut-être qu'il déjeune en même temps. Hein. Bon app à ceux qui passent à table, on est à midi là. Et je lui dis tiens, il a pas placé sa bille.
Alors, je vous avouerai que j'ai pas continué. Ah bah tiens, je suis mort. Et c'est Christella qui remporte la course. Il n'y a pas de record local, non. T'es arrivé trop tard. J'ai pas poursuivi la conception de de niveau. J'ai déjà une première carte de publier que j'avais fait, entre guillemets, quasiment la chiasse, ça la va vite, pour le principe. Mais... Ouais, GG Christella. Ah oui, j'ai des points parce qu'on est en saison nouvelle. Ok. Et que, ça y est, je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai pas continué la deuxième carte. Là, la deuxième, elle sera vachement longue parce qu'en fait, je suis en train de tester, d'expérimenter tous les éléments. J'ai débloqué tous les éléments de jeu. Et il y en a une tripotée, quoi. Doit y avoir 200, je crois, 200 pièces potentielles à imbriquer. Et pff, le temps de tout tester, de voir ce que je peux faire comme combinaison. Avec parfois, pardon. Avec parfois le fait que je m'inspire de bah, des cartes déjà vues là, avec lesquelles j'ai pu jouer non seulement avec vous sur mon antenne, mais chez les autres. Je sais que j'ai fait pas mal de parties, par exemple, chez Cadeau Anthony, que je salue. Et il y avait deux américaines que je suivais pour le jeu là aussi, que j'aimais bien. C'est Slick Lithium et mince. Celle qui est chanteuse, elle a une voix magnifique, elle vous fait des trucs sur Just Dance, incroyable. Elle vit dans le Colorado, c'est oui, la fille du froid, Blizzard Girl, que je vous recommande. Peut-être qu'un jour je vous ferai, mais avec les décalages horaires, c'est pas évident. Peut-être que je vous ferai un relais de chaîne un jour chez elle. Ah merde! T'as loupé le coche, mon pauvre Nashem Man. Bon, c'est pas la fin du monde. C'est un peu con, mais c'est pas la fin du monde. Bon, bah, ça va être un duel entre Christella et moi. Les billes de la misère. Ah, le record local est beau, détenu par FunFan en El Chico Fan. C'est un 10 000 ans. Il avait fait fort. Encore que, j'ai envie de dire, là, pour un début, Christella, t'as un bon rythme. Tu colles plutôt bien au basque à la bille à FunFan. Ta trajectoire et ton rythme est bon. Mais méfiance. Ça peut vite tourner au drama. Oui, bah c'est pas grave, ça nage, ça arrive. Bon, t'auras la prochaine. Non, puis moi je parle, je parle, je parle, je comprends que je puisse vous assommer. Et du coup, vous vous détachez du jeu avec le baratin que je vous sors en continu. Je suis navré, mais je comprends, j'ai pas fait de relance à l'oral. Inscrivez-vous. Alors, je vous avouerai, demain après-midi, où j'aurai plaisir donc de faire du camion avec Christella, ça va être l'improvisation. J'ai quelques sujets en tête de discussion à ouvrir avec Christella, entre autres, mais à vous aussi. On se fera, je pense, une vocale ouverte. Encore que, je reverrai dans quelles conditions c'est Christella qui... Merde, ah, tu t'habilles, repars dans le sens contraire, là c'est pas cool. Je laisserai à Christella le choix de ce qu'elle souhaite pour être à son aise sur mon antenne. Mais bref, on aura l'occasion de bavarder. Et je vous avoue que j'ai pas spécialement préparé de sujet de conversation. Je vais prendre le risque de m'exposer à des gros blancs, de n'avoir plus rien à dire. Mais voilà, sans prise de tête, plaisir quoi. Puis vous connaissant, pour peu que vous soyez 2-3 à vous manifester dans le chat, vous avez toujours un propos intéressant. Et je pense que vous nourrirez le propos qu'on aura à l'antenne. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. C'est vraiment relax. Ah bah mince, ma pauvre Christella. Ça, c'est le malheur de percuter un météore et puis tu repars en sens contraire. Et le record de FunFan, en fait, avec sa bille secondaire, il a dû avoir le scénario optimal. C'est-à-dire qu'il a foncé toujours tout droit, quoi. Voilà, du coup, c'est moi qui reprends la tête, là. Aïe, aïe, aïe. Je sens que le parcours va durer 5 minutes.
On en est déjà à 3 d'ailleurs. Alors que Tabi revient au début. Ok. Oui, voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas le parcours, c'est l'occasion rêvée de le redécouvrir en intégralité. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 cette misère. Ah ouais, non mais là, waouh. Et en plus, je suis content de mon cadrage. C'est nickel. Nickel, nickel. Vas-y, voir que je regarde un peu mon retour Twitch via la tablette. Je veux voir le rendu de ce que j'ai fait. Est-ce que ça présente vraiment bien? Hop. Mince, je m'entends en double, ça fait peur. Ah, c'est pas trop dégueu ce que je vous ai fait. Ah, c'est pas mal du tout d'ailleurs. Je faisais pas la précision au pixel près, mais bon, je peaufinerai, hein. Je ferai pas la suite aujourd'hui, mais je peaufinerai dans le futur. J'essaierai peut-être de combler un peu le vide qu'il y a sur le côté de ma tronche entre la webcam et la notification de Winamp et la musique. Ah là 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 là. Ouais, c'est sympa, je suis content du résultat. Mais je suis en train de me dire, finalement, la musique, vous l'entendez pas du tout. Ouais, faudrait que je fasse la musique plus forte. Bah, oh! Bah, ma tablette qui m'écoute plus. Hop là, voilà. Je zappe parce que... Pourquoi vous entendez si peu la musique? Alors après, il faudra me dire si je fais trop fort. À vrai dire, la musique, je l'entends pas. Alors attention les oreilles. Oui, mais tu fais, y a pas de souci. C'est bizarre, on n'entend pas du tout la musique. Ah bah tiens, je vais te mettre l'Atomic Cat, Pierre Troutman. Je sais pas si tu m'écoutes encore. Que tu te fasses une idée. Oscar Capac la provoque. Oh mon dieu. Oh, j'ai gagné. Pardon. Oh là là, 5,40. Oh, le chrono de... Ah non, c'est toi 5,40. Ok, moi j'ai mis 5 minutes pile, mais quand même. Oublions cette course. Oublions. C'est si on l'entend. Ah merde, alors j'ai fait trop fort là. Ah pardon, j'ai réveillé les morts là. J'ai mis la musique trop forte. Oui, bah je vais garder ma... Allez-y, placez vos billes, mesdames et messieurs. Je vais pas réussir à la faire à la Grim Fandango là, mais presque. Ah merde, il faut que je recharge mon téléphone. Il est dans le rouge et je suis susceptible d'avoir des messages. Oui, je le ferai à ma pause déjeuner. On finit les bibis et puis... Oh mon dieu, il est tombé comme un caca. Oui, play, play. Ah, cool, merci Oscar Capac de venir jouer. C'est sympa, merci tout plein. Alors encore 20 secondes. Oui, bah, je suis content que ça te fasse plaisir. Merci à toi de compléter le nombre de joueurs. C'est cool. Oui, j'allais dire, je crois que j'ai plus de points à dépenser dans la, comment on appelle ça, la boutique du jeu, là. J'ai que 10 petites piécettes. Et il faut un minimum de 50 piécettes pour déverrouiller une décalcomanie de... Mais que fait ta bille? Ah, je me disais, elle part en sens contraire dans la gouttière. Je ne comprenais plus. Je crois que c'est la première fois que j'observais ça. Ah, stylé. À mon sauf erreur de ma part, tu as fait ce portrait là de d'avatar qu'on voit à Scarcapac lors de tes précédentes vacances. Si je devine bien.
Voilà, ce jeu de saut de référence croisée. Le record local est détenu par un certain Twinsen. Ah! On est 4 à jouer. Donc il y aura forcément un exclu du podium. Alors méfiance, hein, la dojo elle est traître. Je me suis laissé surprendre en la programmant quasi régulièrement. Voilà, mon pauvre Scarcapac, tu en fais la démonstration, tu t'es fait éjecter. Quand on est hors trajectoire, c'est punitif la carte là. Je suis désolé. Mais t'as perdu ta bille. Ah, il est terrible. Pardon, j'ai le nez qui me démange. Le tracé là. Il est bien plus traître qu'on ne pourrait ne le croire. Je réfléchis à mon miam de midi. Je suis en train de me dire qu'il me reste de la pizza à croquer. Ah, je pourrais peut-être me faire 2-3 tomates cerises en... j'aime bien ça. Picorer, c'est bon en plus. Les tomates cerises. Ouah, attention, la fameuse correctionnelle de la piste du dojo, Christella. Tu commençais à lorgner le bord de la piste. Les pistons, c'est pas mieux. Oula, j'ai placé ma caméra là, on voit. Oh! T'es arrivé de traviole et bravo à toi! Ta bille est arrivée de traviole, t'as failli t'éjecter, mais en fait, la trajectoire t'a permis de retomber dans le ramequin d'arrivée. Alors que Nashiman est mort à l'arrivée. Alors j'ai pas compris comment t'as fait ton affaire, malheureux. Alors une nouvelle fois, on est que deux à l'arrivée, Christella et moi. Allez y comprendre quelque chose. Donc leur corps local a pas du tout été battu. Ah, la carte suivante, c'est les portes qui sont. Qui sont. Qui posent problème en fait. Voilà, il y a une intro spéciale en plus. Alors, point d'exclamation play. N'hésitez pas à apprécier votre bibi. Hop là, je lance le compte à rebours. Alors qu'on voit les jolies gargouilles. Gargouilles qui font un poil Pokémon là. Je trouve. Je suis en train de cogiter de comment je m'organise pour cet après-midi. Comme je vous le rappelle, je suis susceptible de ne pas être présent. Si ma maman a sa livraison d'ordi, il faut que je l'aide à lui mettre en place rapidement. Parce que la pauvre, depuis que son ordi a cramé, je vous le mets dans la confidence, elle a plus accès à ses courriels depuis un mois. Donc, un poil nerveuse, il y a de quoi. Ah, il y aura peut-être de quoi faire un podium si on survit tous. Oula, voilà. Du coup, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends mon antenne à 15 h? Ou... Oh non, je la reprendrai peut-être avant, je pense. Ouais, bah, les aléas de l'informatique. Mais... Ou alors je prends le risque de reprendre mon antenne vers les 14 h tout à l'heure sur je sais pas quoi. Et puis peut-être que je couperai si j'ai le message de maman qui me dit: ouais, fiston, j'ai mon ordi, viens m'aider. Et du coup, on se retrouverait ce soir chez FunFan à 21 h, quoi. Alors, ma bille est morte, celle de Christella aussi a giclé dans le décor, et mon cher Ascarcapac, tu es planté dans le décor.
Est-ce que ta bille peut se... Le piston central, il bouge ou il est inerte? Ah non, il bouge. Ok. Ça veut dire que je peux avorter la course. Là, elle est perfectible, la course là. Rappelez-moi de pas la faire. Allez, on passe la piste, je suis désolé. On va à la suivante parce que là, ça bougera plus. Je suis désolé, ça se voit nettement. Puis je crois qu'il n'y a pas l'équivalent du, vous savez, du tilt dans les flippers, les billards électriques. Donc pas de vainqueur sur, on va dire, cette carte buggée. Placez vos billes, point d'exclamation play. Oula, j'ai entendu un bruit devant chez moi, bizarre. Point d'exclamation play, allez-y. Ah, Nachelman a rejoint. Christella nous a rejoint. Bah, buggy, ouais, elle est maladroitement conçue, quoi. Oui, tu nous as rejoint, Scarcapac, merci. C'est cool. Non, elle est mal conçue. Non, il faudra que je pense à éviter de la proposer, sauf si on est vraiment nombreux. Si on est 10, je pense qu'il y a au moins une bille qui va survivre. Mais sinon, c'est la violence. Oula. Là, on remonte. Ah, c'est un départ original. Oula. Un peu trop à la verticale, ta bille. T'es bon. Ah, finalement. Finalement, ça te permet de faire une sortie plutôt rapide, Christella, du... Au niveau du parcours. Alors, j'ai le record local en 3,42, sachant que le mondial est en 2,31. Eh ben... Je suis en train de réfléchir là, le message d'entrée de jeu où il m'a dit les records ont été réinitialisés par rapport à la nouvelle saison. Et sur mon Discord, j'ai une branche dédiée justement où je note vos records mondiaux quand ils tombent. Je me dis que je ferais peut-être bien de prendre l'information du numéro de la saison. Encore que, est-ce que c'est vraiment important d'avoir le numéro de la saison dans le record? Non. Non, puisque je donne l'information de la date au moment de la date du jour au moment du record. Et il doit bien y avoir un tableau de l'historique des saisons en fonction de la date. Donc si on a vraiment besoin de l'information, on a vite fait de la retrouver. Oula, Scarcapac, t'as fait un truc de fou là. Je crois que t'es descendu un étage plus bas rapidement que les autres. Et tu as fini dans les limbes. T'as pas de bol. C'était bien parti pour péter un record, mais là t'as été trop ambitieux avec ta bille là. Enfin, je dis ça, je rappelle que c'est un jeu de hasard. Oh, Nashevman est bien parti. Oh, intéressant. Nashevman, je crois que t'es parti pour battre un record. Ne serait-ce que le record local. Ça y est, la bille de Christella s'est décongestionnée. Alors ça, c'est malin dans le jeu vidéo de faire un effet brouillard. Parce que ça permet de ne pas afficher les éléments lointains. Et ça évite de surcharger l'ordi au niveau de la puissance de calcul. Alors je garde un œil sur le fait que tu puisses rallier l'arrivée Nash et le chrono. Mais je crois que tu vas battre mon record local. C'est bien.
Tu devrais arriver d'un instant à l'autre. D'ici 15 secondes, selon mon estimation. Non, je t'aurais rattrapé. Alors, le record a été battu, mais à nouveau par moi. Je suis désolé, Nash. Je t'ai volé la victoire. Et donc, du coup, ça fait un podium moi, Nash et Christella. Ah, je sais plus quoi dire. C'est tout moi ça, toujours partout pour foncer, tonneau ouvert. Sacré Ascarcapac. Oui, je suis désolé, je t'ai volé la victoire. Et puis d'une seconde, tu vois. Je me sens honteux. Je te l'avoue. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Allez, point d'exclamation, play. Placez vos bibis. Nous sommes dans les champs. Alors, question, est-ce qu'il fait beau à Nancy? Je ne pourrais pas répondre à cette question dans l'immédiat. Pourquoi? Parce que je suis déjà en mode hivernal où j'économise un maximum de chauffage vu la crise tarifaire là. Et j'ai encore mes volets fermés. Je vais ouvrir un ou deux volets quand je passerai à table et que le soleil sera bien présent. Là, pour le moment, je désactive ma chaudière. Tant que je peux économiser sans me mettre dans le mal, c'est malheureux. Mais je fais partie des Français qui vont avoir du mal à se chauffer cet hiver. Donc je peux pas répondre à ta question, j'ai pas ouvert les volets. Voilà. Ah, ton frangin va sur Nancy, oui, pour voir sa douce. Alors ce week-end-ci, il devrait être tranquille. Il n'y a rien de particulier à Nancy. Enfin, il n'y a pas de gros 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 événements. Donc, il devrait pas avoir des problèmes de circulation et d'accès à ton frangin. Parce qu'on a eu le livre sur la place, on va avoir l'animest. Non, ouais, non, il n'y a plus de. Là, je crois qu'il n'y a pas de gros événements sur Nancy ce week-end. Bon, je vous avouerai que je suis pas accaparé à l'actualité culturelle de ma ville, aussi riche soit-elle. Mais non, là, ça devrait être bien là. Alors, on finit par voir. Oui, voilà, on finit par voir un truc. Ah, Christella a repris la tête de la course. Ouch. Alors que, mon cher Ascarcapac, tu fermes la marche. Mais c'est original ça comme système de ralentissement des billes. Oh bien, bien dans l'axe, bien centré la bille. C'est propre. Ah, c'était propre, ça y est. Attention, faut pas qu'elle finisse hors trajectoire. Oh bien! Du coup, tu es parti pour prendre la tête de la course. Encore que Nash à nouveau revendique le fait d'être en tête. Ah, il y a un vrai suspense. Non, non, la bille de Nash est partie, quelque chose de bien. Ou alors que ta bille est réjectée en sens contraire, ça c'est pas bon. Oui, alors ma réponse sur le temps à Nancy, c'est que. Oh bah mon pauvre, alors que tu te fais éjecter la bille. Ça y est, Nashevman a pas battu le record local, mais a remporté la course. Je ne connais pas le temps de Nancy parce que j'ai encore les volets fermés. C'est pour ça que j'étais si long dans ma tirade de réponse. Pour t'expliquer le comment du pourquoi. Je ne sais pas quel est le temps à Nancy, j'ai pas ouvert mes volets. Je vais le savoir quand j'aurai fait mon relais de chaîne et que je vais déjeuner, que je vais. Apparemment, les quelques petits rayons de soleil que je vois qui passent au travers
les pointillés de mes volets, je te répondrai qu'il fait beau à Nancy. Parce qu'on voit que c'est lumineux. Mais j'ouvrirai les volets tout à l'heure. Ah bah oui, il n'y a plus que toi, Christella. Attention au mur éliminatoire qui est déjà lancé. Là, on voit le chrono rouge en haut. Enfin, le compte à rebours. Nashman a remporté la course. J'ai moi-même rallié l'arrivée. Il reste plus que toi. Ça y est, ça va être bon. T'as eu chaud aux fesses, mais c'est bon. Tu vas éviter le mur d'élimination. Ah bah c'est bien, ça nous fait un podium. Nashman, moi-même et Christella. Ah. Au moins, on a ça. Pem, 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 pem. Oulala. Point d'exclamation play. Je vais parvenir à articuler. Placez vos bibis. Le record local est en 2,46 quelque chose 4 là de Twinsen. Ah. Non. Non, Raskar Kapak, je ne les ouvre plus systématiquement puisqu'on arrive dans la morte saison et j'essaye de faire des économies de chauffage. Donc je garde ma pseudo-chaleur de la soirée précédente et de la nuit en me calfeutrant, en me bunkerisant pour garder ma température. Je veux faire des économies de chauffage cet hiver. Les factures là, elles font très mal au compte bancaire. Voilà. L'idée, elle est là. Je sais plus si j'ai mis. Non, j'avais pas mis les noms, pardon. Voilà, on va suivre encore Christella. Oui, ça prend la direction là, ok, la piste. Oh! Tabi qui s'est chargé d'une énergie magique. Pas mal la texture métallisée là. Oh! Alors, une nouvelle fois, Nash qui est bien parti. Mais va-t-il bien finir? Telle est la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Tabu s'est fait éjecter, la mine aussi. Oh, tristesse. Bon, bah, il n'y a plus que Nash. Il n'y avait plus que Nash. Il n'y a plus personne. Tout le monde est éliminé. Pas de gagnant. Voilà, pas de vainqueur. C'est ça que voulait voir FunFan. Il m'avait posé la question, mais est-ce qu'il peut y avoir aucun à l'arrivée? Bah oui. Voilà. Tout le monde est mort. Allez, la suite. Oublions vite cette course de malheur. Waouh. Ah. Quand t'es dans les déserts depuis trop longtemps, tu te demandes à quoi ça sert, les yeux bandés. Point d'exclamation, play, allez-y, faites vos jeux. Aïe, aïe, aïe. À cela, je peux me poser la question à qui je fais un relais de chaîne? Parce que on va pas tarder à. Enfin, je vais pas tarder à vous rendre l'antenne. Qui c'est qui diffuse dans mes. Mince, comment je fais? Ah oui, il faut que je fasse comme ça. Ah, j'ai plus personne qui diffuse. Ok. Tout le monde est parti en pause déjeuner, c'est une catastrophe. Donc je risque de fermer mon antenne sur un. Un arrêt brutal, quoi. Eh bien. Allez, l'ami Raskar Kapak, on te suit.
Ah, le record local est détenu par Dragon Sky en 2:32 271. Là, cette fois-ci, c'est Christella qui prend les devants. Oui, tu dis, ah, d'accord, c'est vrai que l'énergie a augmenté d'au moins de 80%. Oui, bah, ça dépend quelle énergie, mais oui, non, mais c'est une catastrophe. Moi, j'ai vraiment peur que cet hiver, on se retrouve comme à l'hiver de. Encore que je sais pas si quelqu'un fera un appel. De, vous savez, de l'abbé Pierre, je sais plus, c'était l'hiver 80 ou 83, je sais plus quoi. J'ai vraiment peur qu'il y ait des Français qui soient dans une situation, entre guillemets, normale, d'avoir un boulot et d'avoir un toit, qui meurent de froid cet hiver chez eux, entre quatre murs, parce qu'ils ne pouvaient pas payer la facture de chauffage. On en prend vraiment le chemin et ça craint. C'est. On est vraiment dans des temps difficiles, on peut le dire, je crois, de guerre. C'est malheureux, mais. Enfin bon. Il y aura moins d'effets de gaz au-dessus de la ville. Oui. Au Mexique, le prix des faillots a doublé. Ok, je viens de la comprendre. Aïe, aïe, aïe. Ah merde! Oh Christella, ta bille s'est fait éjecter. J'ai eu un doute. Je voyais la bille partir vers le bas de l'écran. Mais je me demandais si c'était pas une éjection vers la piste principale vers le bas, vers l'arrivée, mais non. Oh, t'es fait éliminer. Puis finalement, c'est ma bille qui est en tête. Oh! C'est un carnage, c'est un scénario d'épouvante. Je vais être visiblement le seul à rallier l'arrivée. Est-ce que je vais battre le record de Dragon Sky? Oui, j'ai battu le record de Dragon Sky. Oh la honte! Je gagne la course et je récupère le chrono local. Oh là là, je bats de 7 secondes le record local. C'est le jeu. Bon, voilà. Oh non. Aïe, 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 aïe. Allez-y, point d'exclamation, play. Je vous préviens, c'est l'avant-dernière course. On va pas tarder à se quitter. Je vais croquer mon déjeuner paisiblement. Et je rouvrirai, je pense, mon antenne aux environs de 14 h sur je sais pas quoi. Par contre, à l'école, il y en a toujours des faillots et toutes les saisons. À part le mal. Ah! Ça me fait plaisir de vous voir plus nombreux sur les deux dernières courses. Merci tout plein. Mais alors du coup, c'est quoi? C'est la saison 38, si je comprends bien l'interface du jeu. Là, ils disent les vainqueurs de la saison 36 et 37. Pom, 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 pom. Alors, on va suivre Scarcapac. Oula. Non, j'ai pas compris le moment de la bille. La 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 la. Ouch. Ouhouhou. Alors, ce genre de chassé-croisé dans le circuit. Ça doit être impressionnant quand il y a une centaine de billes, ça doit être un joyeux foutoir. Oh, il y a combien d'étages? Il y en a 6 apparemment. Oh, pardon, pardon. Alors, quand je vois le titre de la carte Frozen, la gelée, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le titre de Madonna, qui est excellent.
Le titre éponyme de Madonna, Frozen. Ah, c'est pas la bonne embouchure pour la bille d'Ascarcapac. Non plus. Eh, alors du coup, j'en déduis que c'est Christella qui est en tête pour le moment. Pour le moment. Ouch. Donc le record local est en 3-10, presque 3-11 par Twinsen. Mais est-ce que Christella serait pas sur et la voie de la victoire et la voie de battre le record local? Alors que Tabi, mon pauvre Scarcapax, s'est encore fourvoyé dans la mauvaise direction. Voilà qui est mieux. Et B. Oula. Là, elle est fortement ralentie, ta bille. Ah, bah la mienne arrive derrière. Je suis bien à la traîne. Alors, attends, il y a Nashevman qui est devant. Bah, où est passée Christella? Oh. Alors, c'est ta malédiction, Rascarcapac. D'avoir la bille, soit qui repart en sens contraire ou qui va dans le mauvais embranchement. Le tracé là, il n'est pas pour toi. D'avoir de te le dire, mais. Non, bah, Twinsen avait déjà rallié l'arrivée. Ah, bah mince alors. Non, Funfan va remporter la course? Honnêtement, j'aurais pas cru. Ah oui, t'es juste derrière Christella, ouais. Ah ouais, bien joué, El Chitofen. Donc, El Chitofen suivi de Christella. Et théoriquement de ma bille, ouais. Et Nash, voilà. Et Rascarcapac, tu devrais potentiellement compléter le podium, mais faut pas que ta... Oui, non, ta bille peut pas traîner autant que ça. Le temps que le mur éliminatoire là se pointe. Il reste quand même 50 secondes avant qu'il rallie l'arrivée, ce mur. C'est bon. Voilà. Là, on a une fin de course. Alors certes, c'était posé. C'était... Hein, c'était pas la rapidité, mais au moins, tout le monde a rallié l'arrivée. Ce qui me rassure un peu. Un peu une consolation. Voilà, et on termine sur, j'ai envie de dire, la plus belle carte qu'ils ont dans le lot, c'est le système solaire. Allez-y, point d'exclamation play pour cette dernière carte. J'ai failli dire cette dernière guitare, moi. Oi, oi, oi. Record local, proche du record mondial, Funfan. C'est vrai que t'avais fait une performance de fou. J'oublie qu'à chaque fois que sur cette carte, t'avais... Hey. T'es à 5 secondes du record mondial, Funfan, sur cette carte. T'avais fait un stratosphérique 3.38, alors que c'est 3.33 le record mondial. Localement, ton record, on n'est pas prêt de te détrôner, Funfan, hein, j'y crois pas. Là, t'avais eu le cul bordé de nouilles, excuse-moi du peu de l'expression, mais t'avais une chance insolente ce jour-là, et ta bille avait excellemment tracé. Sur le parcours, c'était nickel. Il manque Rascarcapac, merde, trop tard. Ah, tant pis, t'es pas inscrit à la dernière course, mon pauvre. Allez, on va suivre Funfan. Eh bien. Alors... Là, je me bats en duel avec Nash pour prendre la tête de la course.
Oh! Eh ben fini pour la course de Christella, la bille s'est fait éjecter. Aïe aïe aïe. Oh là là, on voit ton fantôme de l'époque, Fun Fan. T'es déjà bien loin en bas du truc. Du toboggan. Le pire, c'est que ta bille actuelle est en train de rattraper ton record précédent. C'est absolument dément. Ne me dis pas que tu es en route pour battre le record mondial. Ça va être la folie, là. Non, ta bille est déjà vachement loin, elle a déjà rebondi dans le. Elle est déjà en descente suivante. Non, c'est pas possible. Non, mais ce jour-là, t'avais fait vraiment un truc de fou. Mais je reconnais que t'as du bol sur ce tracé-là. Ça, s'il y a bien un tracé qui te réussit, Fun Fan, c'est celui-là, c'est le système solaire. Marble Sanctuary. Ouais, c'est vrai que c'est une journée sans là pour les bibis Christella, ouais. Pas de bol. Oh non, elle est vachement longue déjà ta bille. Oh là là, elle a pris le coude. Elle va prendre le deuxième coude. Ah, Nashelman te dépasse. D'une courte tête. Ah, ce final. Même moi j'arrive dans la masse. Oh, ce chassé croisé entre les billes. Non, 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 c'est pas vrai. Oh, la malédiction. La malédiction, tu as fini dans les anneaux de Saturne. Aïe, Fun Fan, quick. Ah, Nashelman serait parti pour remporter la course. Ou pas. Oula, il y a ta bille qui est partie en vrille. Oh, ma bille qui est en train de te rattraper. Ah non, j'ai percuté le piston. Alors, t'as perdu tes deux billes, Fun Fan. Nashelman a rallié l'arrivée, n'a pas battu ton corps. Et je finis. Enfin, je crois que je finis deuxième, c'est ça? Oui, c'est moi. Eh ben, dis donc. Là aussi, hein, c'est une course qui réserve bien des surprises. Alors, du coup, le podium sur les 10 courses. Le podium très bizarre, on dirait des piles d'assiette. Alors, El Chitofun. Yeah. Oh, les effets de caméra. Moi-même. Et Nashevman. GG Nash. C'est bien, ils améliorent petit à petit les saisons après saison, c'est sympa ce qu'ils font. Oh là là, Raskar Kapak qui a inscrit 0 points en 5 courses. Oh, j'ai pas de la journée non plus, mon pauvre. Désolé. Oh là là. Eh ben. Alors oui, le jeu là, je sais que je le quitte violemment, je fais Alt F4, je me fais même pas suer. Alors. Bah oui, en plus, oui, t'as pas fait toutes les courses, mais ça peut être gagnant dans les stats. Alors, que faire? Je vous remets ma tronche en gros plan. Il faut que je réfléchisse si je peux vous faire un relais de chaîne ou pas. Alors je rouvre mon navigateur.
Je me vois reprendre mon antenne aux environs de 14h. Peut-être un petit peu après 14h. Je vais pas me bousculer, je vais prendre le temps de manger, hein, je vais pas me rendre malade non plus. Faut que ce soit pour moi un week-end 100% plaisir. Mais je sais pas sur quoi je vais ouvrir mon antenne. Je prendrai ma décision à chaud. Ah oui, non, j'ai personne à faire relais de chaîne. Ok. Bon, ça me fait bizarre, mais je vais couper brut. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci FunFan d'avoir offert un abonnement à la Minache. Merci tout simplement de votre présence. Merci aussi, parfois je l'oublie un peu trop souvent, de saluer les anonymes, ceux qui me suivent de manière passive, voilà, sans se manifester. Merci à vous d'être là. Je suis toujours content de me dire que mon contenu peut vous changer les idées, à défaut de vous divertir avec toutes les âneries que je vous débite sur mon antenne chaque week-end. Durant mon temps de récréation. N'oubliez pas pour ce qui est du direct de l'agenda ce soir, FunFan à 21h, il va se faire une spéciale sur son antenne de fête. Il vous expliquera le moment venu sur son antenne. Il va faire du SimCity 3000 et ce sera une vocale ouverte. Voilà, ambiance bar, comme j'aime bien, on pourra discuter de tout, de rien. En maître de cérémonie, FunFan pourra diriger les sujets de conversation qu'on aura sur son antenne. Là, c'est le beau spectacle à venir de l'après-midi. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bonne app. Dans une heure et demie. Oui, plus une heure et demie qu'une heure. Je vais manger un bon morceau. Je vous lis rapidement dans le chat. Il n'y a rien de particulier. Tac, 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 tac. Est-ce que j'ai avancé dans Planet Crafter? Non. J'ai fait du tri en fait dans les armoires au niveau du matos. J'ai avancé dans la terraformation. Je crois que. Oui, là, j'ai fini le stade de la mousse. Et maintenant, c'est des végétaux qui poussent partout sur la planète. Il y a des premières fougères ou des plantes équivalentes qui commencent à sortir de terre. Et je présume que la phase suivante qui va être très longue, ça va être les arbres. Les arbustes et les arbres. Mais j'en suis pas là. Même en antenne, j'ai pas rejoué depuis cet été. Je sais qu'il y a une mise à jour qui est sortie ou va sortir. Où il y aura du contenu de l'histoire qui va être découvert, à découvrir. Mais je sais pas. À mon avis, honnêtement, Planet Crafter, je ne me vois pas y rejouer avant Noël. Je ferai peut-être un petit pointage en décembre pour voir ce qu'il y a en nouveauté. Voilà, histoire de faire une piqûre de rappel pour dire on n'oublie pas le jeu qui est en cours de développement, hein, je le rappelle, c'est une alpha ou une bêta, je sais plus. Enfin bref, c'est en cours de développement. En dehors de ça, non, j'ai pas joué, j'ai pas du tout avancé dans Planet Crafter. Je m'étais fait, honnête, voilà, pour être sincère dans ce que je fais en antenne, j'ai dû faire 2 heures ou 3 de tri dans les armoires, donc c'est pas passionnant. J'avais un gros fouillis où je bazardais tout, souvenez-vous. Voilà, j'ai rien fait d'autre. Rien fait d'autre. Bref, bisous tout plein, bonne app. Et puis à partir de 14h, voilà, je vous dis à tout à l'heure, je reprendrai mon antenne sur. Je verrai, je sais pas. Si éventuellement vous voulez me faire des suggestions et vous avez des envies, écrivez-les dans le chat. Je vous lirai même entre midi et deux, hein, je laisse mon chat ouvert. Ou le Discord ou un MP, enfin vous savez que vous pouvez me joindre. Allez, je vais couper. Bisous tout plein, bon app, merci. Moi, c'est vrai que je commence à avoir envie, rien que d'y penser à ma pizza. J'ai envie de mordre dedans. Alors, je vais voilà, stopper la diffusion et après stopper l'enregistrement pour YouTube. Ciao, ciao, à tout à l'heure, bisous, merci d'avoir regardé. On ferme.